Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais dénoncer les manigances derrière toutes ces accusations qui ont visé certains hommes de Dieu. Il est temps de briser les chaînes des préjugés. C'est pourquoi je souhaite apporter des éclaircissements sur cette affaire afin de mettre en lumière les vérités qui se cachent derrière toutes ces controverses. Bienvenue encore une fois. Nous allons commencer directement avec le bishop Mohamed Idriss. Suivez cet élément. On ne me voit pas dans leur maquis en train de boire. Ils vivent comme des païens et c'est eux qui osent lever la bouche contre des points de Dieu. They live like a pagan and love to talk about. En train de coucher avec des femmes à gauche et à droite, coucher avec leurs filles spirituelles. Sleeping with their spiritual daughters. Dieu m'a gardé. God have kept me. Je ne connais que la nudité de ma femme. I only know the nakedness of my wife. Dieu m'a gardé. Je ne connais que la nudité de ma femme. Il reconnaît que c'est une grâce de Dieu. Cependant, je me pose la question de savoir combien parmi tous ces pasteurs qui accusent et condamnent le bishop Mohamed Idriss seraient capables de faire une telle déclaration avec une telle assurance. Vous qui avez l'unité de mesure permettant de distinguer un homme de Dieu authentique d'un autre qui ne l'est pas, est-ce que vous pouvez faire une telle déclaration en public ? Parce qu'on se connaît. C'est juste une question. Suivons le deuxième élément. En quoi une épée est démoniaque? In what a sword is demonic? En quoi? In what? Et si quelqu'un veut initier à la franc-maçonnerie? C'est dans l'église devant tout le monde ici, là, il va venir faire ça. Is he in a church? C'est pas dans une loge. Is mais in the comment on peut être aussi stupide en croyant de telles balivernes? En quoi une épée est-elle démoniaque? Je vais vous dire une chose, l'un des premiers pasteurs de cette génération qui a reçu de son patriarche une épée s'appelle Eastwood Anaba. Le révérend Eastwood Anaba est un champion et un grand héros de l'évangile. Eastwood Anaba est un pasteur ghanéen. Il est le fils spirituel de l'archevêque Nicholas Duncan Williams, qui est lui le fils spirituel de l'archevêque Andrew Benson Idaosa. Personnellement, je crois fortement à la généalogie spirituelle. Lorsque l'archevêque Benson Idaosa avait effectué son dernier voyage sur le Ghana, c'est à cette occasion qu'il a remis à son petit-fils spirituel, le révérend Eastwood Anaba, son épée. C'était en 1997, avant son décès. Et cela n'a suscité aucun scandale à cette époque-là. Je vous le dis parce que je connais personnellement le révérend Eastwood Anaba. Voici l'église qu'il a bâtie à Bolgatanga, dans le nord du Ghana. Le révérend Eastwood Anaba n'est pas célèbre. Il ne s'est pas enrichi. Mais lorsqu'on parle des cinq grands prédicateurs africains qui enflamment leur auditoire par la parole de Dieu, il en fait partie. Et ce qui me surprend, c'est que ceux qui condamnent le bishop Mohamed Idriss aiment citer dans leur prédication l'archevêque Benson Idaosa comme une légende lorsqu'il s'agit de l'autorité apostolique et du miraculeux qui accompagne un homme de Dieu. Je crois simplement que vous êtes dans l'hypocrisie. Avant de condamner le bishop Mohamed Idriss, commencez par condamner l'archevêque Benson Idaosa. Je l'accepte des païens, mais je ne peux pas l'accepter de l'église. I can accept it from pagan. Ils ont tué Kakou Séverin. Moi, on ne me tue pas. Hein? Il faut arrêter d'être un agent des ténèbres. Il faut arrêter. I'm asking you to stop. De te faire passer pour un bon pasteur alors que ton cœur est noir. To behave like a good pastor, yet the heart. Tu es jaloux. You are jealous. Tu es méchant. You are wicked. Le prophète Kakou Séverin est mort par accident le 13 avril 2001. Mais de son vivant, il avait enduré toutes sortes de méchancetés venant de l'Église et non du monde. L'Église est la seule armée qui tue ses propres soldats. Il faut que ça change. Je voudrais par la même occasion demander
au Bishop Mohamed Idriss de tenir bon et de prendre courage. Tenez bon, le Seigneur est avec vous. Suivons maintenant cet élément sur le pasteur le plus controversé de Côte d'Ivoire, je dirais même d'Afrique francophone. Suivons. En religion avec la consécration du bishop Kodiagui Vincent, c'est un compte-rendu signé Alexis Ouattraogo. L'ordination et l'intronisation du président fondateur de la mission évangélique Grâce et Vie, Kodiagui Vincent, en qualité d'évêque par ses pairs. Pour l'événement, le président mondial des... Et on ne donne pas l'autorité à n'importe quel homme. Donner l'autorité à celui qui le mérite et qui est qualifié pour cela. Et il y aura une femme, et si vous avez été trouvé qualifié, receive this authority, avant de recevoir cette autorité à ses bishops, étant évêque. Depuis 13 ans, le bishop Kodja est au service du Christ. On compte des milliers de fidèles et âmes gagnées par ses actions à travers le monde. La mission qu'il conduit aujourd'hui a des représentants. L'ordination et l'intronisation de son éminence, l'archevêque Kodja. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué la présence du pasteur Kwame Félix de LMTV en première ligne, en costume bleu, à l'extrême gauche. C'est une très belle image représentative de l'unité dans le corps de Christ. Maintenant, je vais vous faire une confidence sur les trois péchés capitaux de cet homme. Le premier, c'est d'avoir dit oui, d'avoir répondu oui à l'appel du Seigneur. C'est d'avoir dit « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Le deuxième, c'est d'avoir obtenu grâce aux yeux de Dieu pour la prospérité qui l'accompagne dans son ministère. Et le troisième, vous le trouvez dans le livre des psaumes, 119 au verset 99. David dit « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car je fais de tes préceptes l'objet de ma méditation ». Son troisième péché, c'est d'être plus instruit que ses devanciers et d'avoir bâti un ministère avec des fondements solides. C'est un homme humble, poli et respectueux. Toutes ces allégations mensongères selon lesquelles il serait franc-maçon sont parties de cette cérémonie d'ordination avec la présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur et de la sécurité d'alors. Or, pour ceux qui ne le savent pas, le ministère de l'Intérieur et de la sécurité est le ministère de tutelle de toutes les religions de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko était ministre de l'Intérieur, de facto ministre de tutelle. Et c'est lui qui autorisait ou signait sur les agréments de toutes les églises évangéliques de Côte d'Ivoire durant la période de 2011 à 2017. Certes, il y a la direction générale des cultes. Cependant, l'instance au-dessus de la DGC, c'est le ministère de l'Intérieur. En quoi inviter son ministre de tutelle à sa cérémonie d'ordination est un acte démoniaque ou un acte d'initiation à la franc-maçonnerie? Vous rejetez une âme, mais vous acceptez son autorisation ou sa signature sur les documents de vos églises. Ce n'est pas sérieux. Ce dont je me souviens, quand le Premier ministre Ahmed était Premier ministre, il a invité des églises, des pasteurs, mais je n'ai jamais été. Pourtant, Ahmed, c'était mon frère. C'est lui qui m'a fait rentrer des États-Unis. Mais le Premier ministre Ahmed ne m'a jamais appelé, mais il faut que tu sois là, jamais. On n'avait pas ce genre de rapport. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été le canal de son retour d'exil. La notion de reconnaissance, ça vous dit quelque chose? Maintenant, je vais plus loin. Regardez ces images. Nous avons le docteur Dion Robert et le Premier ministre Ahmed Bakayoko lors de sa visite aux églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. C'était le 19 septembre 2020. Au siège des églises baptistes, œuvre et mission à Yopougon. Maintenant, je vous pose une question. Le docteur Dion est-il devenu franc-maçon? Est-il franc-maçon parce qu'il a reçu dans son église et sur son pupitre un franc-maçon?
il le reçoit en tant que franc-maçon ou en tant que ministre. Voyez-vous, c'est de là que viennent toutes ces allégations qui incriminent ces hommes de Dieu. Des accusations sans fondement ni évidence. C'est une véritable cabale sadique qui a pour seul but de faire tomber les généraux de Dieu. Et s'il est vrai que Castano, Yves ou Yvan est dans les sciences occultes, là, comme on a dit, on entend, que cette nuit, que les deux frères Castano meurent au nom de Jésus. Qu'avant minuit, je défie le ciel, je défie le Dieu vivant, que Dieu fasse mourir Yvan et Yves Castano. Si nous sommes trouvés dans ces histoires d'occultisme, occultisme, 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 on est le 3, donc il me reste que quelques heures à vivre. Le pasteur Yvan Castano, l'ami du pasteur Mohamed Sanogo, accusé d'être un occultiste. Ce qui m'a touché dans cet extrait, c'est le contenu de sa prière. Rien ne l'oblige à faire une telle déclaration, mais il l'a fait à cause de qui? Mais si ce n'est pas vrai, ceux qui ont pris ma photo, mon image, pour aller mettre dans vos affaires, et pour aller, attendez, pour aller tracter les autres, pour dire, lui il est avec nous, vous revenez. Dans le nom de Jésus qui m'a appelé, que les jugements de Dieu s'abattent sur vous avec violence. Que les jugements violents, horribles de Dieu s'abattent sur vous avec violence. Parce que les occultistes le font dans le but de détourner la foi des faibles. Les occultistes le font pour détourner la foi des faibles. Vous pensiez que la cible, c'était eux? La cible, c'est vous. Chers croyants, il y a une malédiction générationnelle qui frappe tous ceux qui s'attaquent aux véritables serviteurs de Dieu. Il y a un châtiment terrible dans de tels actes. C'est pourquoi je vous exhorte à vous dissocier de ce genre d'attitude. Ce sont des comportements que le ciel ne saurait tolérer. Est-ce la notion de l'ordre et de l'unité qui suscite la peur chez certains? Je parle de ceux qui se font appeler bishops et prophètes et qui voient dans ce désordre et cette anarchie l'opportunité de manipuler et d'exploiter les fidèles. C'est pourquoi ils usent de ruses et de tromperies pour diviser et créer un climat de confusion dans l'Église. Il est écrit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Nous sommes confrontés à deux choix. D'un côté, nous avons l'unité et l'ordre, et de l'autre, nous avons le désordre et la désunion. Optons pour le bon choix, car quelles seront les conséquences si nous faisons le mauvais choix? Ne te joins pas au monde pour faire tomber les généraux de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci pour la qualité de ton écoute. À bientôt pour l'acte 2.